Alors, le centre de ressources pour les groupements d'employeurs basés en Nouvelle-Aquitaine a été constitué à la fin des années 90, à la demande des groupements d'employeurs qui eux-mêmes sont nés sur le territoire de Poitou-Charentes et qui ont très vite ressenti le besoin de se réunir pour échanger des bonnes pratiques, mais aussi pour se faire connaître, notamment auprès des pouvoirs publics et des cibles principales que sont pour eux à la fois les employeurs de tout type et les salariés ou demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, depuis sa création en 2000, opérationnelle et officielle, le CRGE a construit petit à petit une offre de services de plus en plus structurée, à la fois au niveau territorial, donc Nouvelle-Aquitaine, pour les groupements d'employeurs existants à travers des actions d'animation du réseau, mais aussi à destination des porteurs de projets, c'est-à-dire des employeurs qui réfléchissent à partager des compétences sur le territoire. Donc cette offre de services régionale, elle relève davantage d'une mission d'intérêt général, puisque en Nouvelle-Aquitaine, nous disposons d'un financement du Conseil régional et de la Directe pour assurer la promotion du dispositif groupement d'employeurs et pour appuyer l'émergence de nouvelles réflexions en matière de mutualisation d'emplois. C'est une offre de services d'intérêt général au niveau régional. En parallèle, le CRGE, qui a été la première structure à constituer et à animer un réseau national de groupements d'employeurs depuis sa création, donc en 2000, a formalisé une offre de services à destination des groupements d'employeurs de France, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Cette offre de services visant principalement à professionnaliser les groupements d'employeurs. Alors, elle prend différentes formes, que ce soit du conseil juridique qui se fait principalement à distance, de la gestion sociale, c'est-à-dire que nous avons développé depuis plusieurs années un service paye spécialisé dans les groupements d'employeurs qui nous permet de proposer cette prestation, bulletin de salaire et contrat de travail, par exemple. Cette offre de service, elle se traduit aussi par une activité de formation collective ou individuelle qui se fait aussi à destination de tous les groupements d'employeurs de France. Et une offre de services juridiques qui évolue en permanence en fonction de l'actualité et des besoins, la dernière année étant une offre à destination des groupements d'employeurs pour les accompagner dans la mise en place d'accords d'entreprise, notamment en matière d'aménagement du temps de travail sur l'année. Le CRGE, depuis sa création, travaille avec les groupements d'employeurs pour améliorer les conditions d'exercice de la profession de groupement d'employeurs. Et au fur et à mesure des années, en conduisant ces bonnes pratiques, on s'est aperçu que pour pouvoir améliorer leur prise en compte par les pouvoirs publics, il nous fallait nous appuyer sur un document ou un texte réglementaire du niveau d'un accord collectif territorial pour avancer sur le statut des salariés et l'avancée des groupements d'employeurs. C'est aussi prendre en compte des aspects qui ne sont pas traités par les conventions collectives qui s'appliquent obligatoirement aux groupements d'employeurs et qui traitent de ces aspects-là, notamment les frais de déplacement entre deux entreprises et le siège du groupement d'employeurs. C'est aussi que le salarié puisse disposer d'un planning prévisionnel de son emploi dans l'exercice dans les entreprises. Aussi qu'il puisse avoir des relations particulières sur la définition de la sécurité dans les entreprises, qu'il soit accueilli dans un groupement d'employeurs avec tous les éléments qui le composent. Le potentiel de développement est assez conséquent, assez simplement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une partialisation de l'emploi de plus en plus importante, que les moyens pour assurer les missions à la fois dans les entreprises ou dans les collectivités ne sont pas extensibles et que le fait d'avoir des compétences qu'on peut mettre à disposition au moment voulu et aux besoins des entreprises ou des utilisateurs du groupement d'employeurs permet d'améliorer le service. Et par ailleurs, le salarié, lui, va pouvoir exercer son métier, sa compétence, et non pas changer de travail au milieu de sa journée.
Alors, à partir des contacts qu'on a avec tous les groupements d'employeurs de Nouvelle-Aquitaine, on recueille auprès d'eux à la fois leurs besoins, à la fois leurs regrets par rapport au développement, et on en fait une synthèse pour pouvoir leur proposer un certain nombre de prestations et en retirer ce qu'ils ont besoin pour pouvoir exercer leur métier de groupement d'employeurs le plus efficacement possible.